À mon aide, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Que nous a donné
Psaume 118, strophe 22. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière vive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue. Ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. À moi, fais-moi délices. Que vive mon âme à te louer, tes jugements me soient en aide. Je regarde mes pieds perdus. Viens chercher mon serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi, nous rendons grâce, ô Dieu. Nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants. J'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance. Aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge. Là, il a laissé l'autre, il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur. C'est un vin écumant plein d'aromates.
Mon Judas, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa droite s'est fixée en Salem. Et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc. Le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, l'éliminé, le magnifique. Les montagnes et les métals sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous tes menaces, Dieu. Le chat et le cheval se sont figés. Toi, le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Les cieux, tu fais entendre la sentence. Se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te sauras de l'échapper de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes aux terribles. Il est un souffle des passes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix qui déterre et lève la voix, ensemble et cri de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur le rend à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem.
car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur établit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rends-moi. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. Ou bien on prie toujours, ou bien on ne prie jamais, nous disent les pères du désert. Mais pour prier toujours, il faut prier souvent et parfois longuement. De même, car c'est le même mystère, pour nous déifier toujours, l'Esprit Saint doit nous déifier souvent et parfois très intensément. Quand l'Esprit commence son travail en nous et avec nous, il ne trouve pas la terre première et passive dont il a façonné le premier Adam, ni surtout la terre vierge et pétrie de foi avec laquelle il a conçu le second Adam. Il rencontre un fond de gloire, une icône du Fils inlassablement aimé, mais brisé et défiguré. Chacun de nous pourrait lui murmurer ce que la liturgie des funérailles fait s'écrier aux défunts. Je reste l'image de ton inexprimable gloire, lors même que je suis blessé par le péché. C'est dans cet espace de confiance et d'alliance que se vit le mystère si patient de notre déification. Quelles que soient les grilles offertes par les sciences pour interpréter l'énigme de l'homme, trois grandes questions se posent toujours à nous, à chacune de nos instances comme en chacune de nos conduites. La quête de notre origine, la recherche du dialogue, l'aspiration à la communion. D'une part, d'où vient que je suis ce que je suis selon une loi qui est plus forte que moi ? D'autre part, dans le moindre de mes comportements, je suis en attente d'une parole, d'un vis-à-vis qui me réponde. Enfin, c'est évident, notre moi mystérieux ne peut s'accomplir que dans la communion. Ces trois sillons sont comme les gravures premières de l'image de la gloire, l'appel essentiel à la ressemblance divine que réalisera la déification. C'est par des traits de feu que l'Esprit Saint restaure notre image défigurée. Le feu de l'amour consume son contraire, le péché, et transfigure en lui-même la lumière. D'offrande en épiclèse et d'épiclèse en communion, l'Esprit peut alors nous déifier sans cesse. La vie devient eucharistie jusqu'à ce que l'icône soit totalement transfigurée en celui qui est la splendeur du Père. Thank you.
Lecture du second livre des Chroniques. Après la mort du prêtre Joad, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi Joas, et le roi les écouta. Les habitants de la Judée abandonnèrent le temple du Seigneur, Dieu de leur père, pour adorer les arbres sacrés et les idoles. À cause de cette infidélité, la colère de Dieu s'abattit sur Juda et sur Jérusalem. Pour les ramener à lui, Dieu envoya chez eux des prophètes. Ceux-ci transmirent le message, mais personne ne les écouta. Dieu revêtit de son esprit Zacharie, le fils du prêtre Joad. Zacharie se présenta devant le peuple et lui dit : « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements du Seigneur ? Cela fera votre malheur. Puisque vous avez abandonné le Seigneur vous abandonne. » Ils s'ameutèrent alors contre lui et, par ordre du roi, le lapidèrent sur le parvis du temple. Le roi Joas, en faisant mourir Zacharie, fils de Joad, oubliait la bonté que celui-ci lui avait témoignée. Zacharie s'était écrié en mourant : « Que le Seigneur le voie et qu'il fasse justice. » Or, à la fin de l'année, l'armée syrienne monta contre le roi Joas et pénétra en Juda et à Jérusalem. Ces hommes massacrèrent tous les chefs du peuple et envoyèrent toutes les dépouilles au roi de Damas. L'armée syrienne ne comptait qu'un petit nombre d'hommes, et pourtant le Seigneur leur livra une armée très importante, parce que les Judéens avaient abandonné le Seigneur, Dieu de leur père. Et Joas reçut le châtiment qu'il méritait. Lorsque les Syriens partirent, le laissant dans de grandes souffrances, ses serviteurs complotèrent contre lui, parce qu'il avait répandu le sang du fils du prêtre Joad, et ils le tuèrent dans son lit. Il mourut, et on l'ensevelit dans la cité de David, mais non pas dans le tombeau des rois. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La lecture que la liturgie nous donne à méditer en ce jour est tirée du deuxième livre des Chroniques, dans lequel les rois sont jugés d'après leur fidélité ou leur infidélité au principe de l'Alliance. Dans cette péricope, Joas est roi. Il est conseillé jusque-là de manière avisée par le prêtre Joad, mais celui-ci vient de mourir. Des prêtres de Juda viennent se prosterner devant lui. Il les écoute, ce qui provoque l'abandon du temple du Seigneur. Voilà donc un roi infidèle, mal conseillé, qui entraîne l'idolâtrie du peuple. Qui plus est, il reste sourd aux appels des prophètes envoyés par Dieu pour ramener le peuple vers le Seigneur. Il va même jusqu'à oublier les bienfaits apportés par le prêtre Joad, et fait lapider son fils Zacharie sur le parvis du temple. Que nous dit-on de la réponse du Seigneur ? Il livra le peuple à l'armée syrienne, pourtant plus petite, parce que les Judéens avaient oublié le Seigneur. Puis Joas meurt, tué par les siens. Bref, infidélité du roi, idolâtrie, meurtre, châtiment et vengeance de Dieu. Voilà une histoire sombre de la Bible devant laquelle on préférerait tourner la page. Pourtant, Jésus lui-même fait allusion au meurtre de Zacharie. L'évangéliste Matthieu place cette parole du Christ à la fin du chapitre 23. Serpent, engeance de vipère, comment pourrez-vous échapper à la condamnation de la géhenne ? C'est pourquoi voici que j'envoie vers vous des prophètes, des sages et des scribes. Vous en tuerez et mettrez en croix, vous en flagellerez dans vos synagogues et pourchasserez de ville en ville.
pour que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang de l'innocent Abel jusqu'au sang de Zacharie que vous avez assassiné entre le sanctuaire et l'autel. » Le contexte est tout aussi redoutable que celui du livre des Chroniques. Quelle bonne nouvelle alors recevoir pour aujourd'hui. Devant l'endurcissement du cœur de l'homme, la réponse de Dieu est toujours l'amour. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, nous dit saint Paul, car il ne peut pas se renier lui-même. Le roi Joas a oublié l'alliance et son cœur s'est endurci devant l'appel des prophètes, devant le cri de Zacharie. Il s'est laissé entraîner par ses désirs de domination. Sans écouter tous ses appels extérieurs, voulant réveiller son propre appel intérieur à l'alliance avec Dieu. L'exhortation virulente du Christ s'adresse à chacun d'entre nous. « Zacharie, que vous avez assassiné. » Il dit aussi « Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » C'est donc bien pour réveiller en nous ce désir de vie, cet appel fondamental à l'amour que le Christ nous parle. C'est pour faire de notre cœur et de toute notre vie le réceptacle de sa miséricorde. C'est l'amour du Christ, c'est la bonté du Père qui peuvent alors nous conduire sur le chemin d'un humble repentir. Quelle liberté trouvons-nous alors ? Nous ne sommes plus esclaves de nous-mêmes, de notre désir de nous sauver. Nous devenons fils dans le Fils Jésus-Christ. Avec lui et en lui, nous pouvons entrer dans l'Alliance et donner notre vie au Seigneur qui veut combler nos cœurs de tout son amour. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, le royaume des cieux est à eux. Thank you.
Seigneur, mon âme, bénis-tu, Seigneur. Bénis-tu, Seigneur, mon âme, bénis-tu, Seigneur. Béni sois-tu, ô Père, toi vers qui tous nous cheminons, étrangers, voyageurs sur la terre. Béni sois-tu, ô Christ, toi qui manifestes le visage d'amour de Dieu à tous les hommes. Béni le Seigneur, ô âme, béni es-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Esprit Saint, toi qui fais jaillir la vie dans les ténèbres de notre humanité. Béni le Seigneur, ô âme, béni es-tu, Seigneur. Dieu Saint, Saint fort, Saint immortel, en pitié de qui veut nous sauver en ton Fils Jésus-Christ, nous te prions.
Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur.